mes chers élèves, me voilà de retour pour donc on va aujourd'hui étudier d'autres syllabes. Mais avant de commencer, on va faire une petite révision. On va lire ensemble, d'accord? Je commence. Les syllabes simples. Et déjà, vous avez je sais lire. Ba, la, ta, pa, ma. Sa, na, ga, fa, za. Ka, va, na, ra, la. Sa, sa, da, ba, a. Pa, ka, ta, ja, ra. Li, pi, ki, ri, ni. Si, vi, i, zi, ji. Fi, ji, xi, bi, ti. Bi, mi, li, mi, di. Fi, di, ni, J, C. Très bien. La, le, li, lu, l'eau. Ri, ra, ru, ro, re. Re, lo, ru, la, ro. La, lu, re, le, ra, lu, ra, ri, li, les. Vu, mu, ma, ru, cu. Mi, mo, bu, me, du. Ju, su, me, fu, tu. Mi, zu, mo, ma, nu. Très bien. On a fini avec la lecture des syllabes simples. Regardez. Regardez bien le tableau. Je commence. Br, cr, dr, fr, gr, pr. Bon, l'alphabet français se forme de 26 lettres, dont 20 consonnes et 6 voyelles. 20 consonnes et 6 voyelles. Regardez bien. Ici, j'ai assemblé consonnes. Le B, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le C, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le D, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le F, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le G, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le P, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Le T, c'est une consonne. Le R, c'est une consonne. Et le V, c'est une consonne. Et le R, c'est une consonne. Bras. Bras. Alors, vous avez la consonne B plus la consonne R plus la voyelle. D'accord? Consonne, consonne, voyelle. On les appelle des syllabes et ça forme une syllabe. Je les appelle des syllabes complexes. Des syllabes avec deux consonnes plus une voyelle. Je vais lire. Bravo. Abracadabra. Bracelet. Une branche. Brouté. Brouté. Une lébrirée. Un arbre. Un abricot. Un brochet. Brûlé. Brouté.
bronchite, bronzé. Maintenant, c'est le C. Le C, R, A. Le C, c'est une consonne. R, c'est une consonne. Et le A, c'est une voyelle. Et j'ai formé une syllabe. Une syllabe de trois lettres. Une syllabe de trois lettres. Un crabe. Une cravate. Écrasé. Un écran. Une craie. Un crayon. Une cruche. Un crochet. Crier. Crouton. Et vous voyez qu'on a, ça veut dire des syllabes. Des syllabes complexes. Regardez ici. Vous avez le C-R-U. C-R-O. C-R-I. C-R-U. Très bien. Je passe. Drap. Drap. D-R-A. Consonne, consonne, voyelle. Une syllabe. Un drap. Un drapeau. Un dragon. André. C'est drôle. Un dromadaire. Un cadre. Et vous avez la consonne DR avec plusieurs voyelles. Maintenant, F, R, A. Fra. Fra. Je lis fra. Fragile. Une fracture. Un coffre. Mes cheveux sont frisés. Mes cheveux sont frisés. Avoir des cheveux frisés. Le front. Notre front. Le front. Les freins. Une framboise. Une fraise. Maintenant, le GRA. Syllabe complexe. Consonne, consonne, voyelle. Du gras. Grave. Des graviers. Un tigre. Grandir. Une grimace. Grogner. Très bien. Ces mots, vous allez les lire par la suite, d'accord? À la maison. Je passe au tableau. Bras. Creux. Dris. Pro, gru, pré, tra, bre, bre, cri, dro, fru, cra, pra, vre et tri. Très bien. On va faire un petit exercice ensemble. Syllabes complexes. Parmi ces syllabes, bon, ces mots, ils ont besoin de leurs syllabes. Qu'est-ce que c'est? Monstre. J'écris. Je vais ajouter le tre. Pour avoir monstre. Monstre. Ici, je vais ajouter vrai. Et j'ai monstre, pleuvre. Monstre, pleuvre. Ici, qu'est-ce que c'est? Trèfle, trèfle. Je vais ajouter fle.
Fl. Trèfle. C'est pour, pour nous protéger et tout, il faut... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Une clôture. Le C... L. Clôture. Je mets... Quoi? Pour rentrer dans la cuisine, faire le ménage, préparer à manger, ainsi de suite. Tablier. Bleu. Bleu. Alors, vous avez trèfle, clôture, tablier, fle, clé, ble. Je reprends, fle, clé, ble. Je les appelle des syllabes complexes. Bon, mon cours, j'ai achevé le cours d'aujourd'hui. J'espère vous revoir la prochaine fois. À bientôt.